Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. La SNCF présente toutes ses équipes. C'est météo qui parle, ça cornira des fonctionnaires, ça. Deux amères-bières pour la 18 et un chocolat froid pour la 12. Ça 30 minutes, comme d'habitude, oui. Bon, bah, puisque nous avons le temps, un blend finish, mais sans glace, évidemment. Bon, un scotch, si vous préférez. On a du Babel 5. Bon, Babel 5, pas 5. Bon, à la guerre, comme à la guerre, mais alors, avec de la glace. Et vous, Ranou, qu'est-ce que vous prenez? Ah, pas d'alcool. Déjà qu'au repas de clôture, j'ai pris deux verres de vin blanc. Oh, tata, allez, mon vieux, lâchez-vous, le séminaire est terminé, vous avez bien le droit de vous détendre. Allez, deux scotch. Ça roule. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fatigué. Alors, mon petit Ranou, instructif ce séminaire? Absolument, ouais. En fait, c'était ma première expérience de rencontre avec des confrères de... Enfin, plus expérimentés que moi. La première. Durant vos études, vous avez bien dû effectuer quelques stages à l'étranger. Les States, sans doute. Ah oui, les States, ça va de soi. Non, je voulais dire, c'est... C'est la première fois que j'étais en situation de responsabilité, que je représentais réellement mon entreprise, quoi. Voilà. Ouais, si vous voulez, ça fait quand même une différence, ah, hein. Oui, bah, l'expérience vient avec le temps. Ah, vous vous en êtes bien tiré. Votre petit exposé a produit son effet. Vous avez eu à gérer un plan de dégraissage du personnel, ça nous est arrivé à tous. Et vous avez exposé l'effet avec compétence. Mais voyez-vous, ce qui a le plus compté à mes yeux... Avec humanité, une grande humanité. Oui. Avec un peu de recul, j'assume, mais sur le moment... Toutes ces familles qui assiégeaient le site de production, les enfants qui portaient des pancartes en criant « Tu travailles pour mon papa », c'était totalement bouleversant. Mais je n'ai pas cédé. Non, absolument. Il faut toujours tenir le langage de la vérité, dire les choses, ne rien cacher. Sans pathos. Je ne suis pas un héros. De la belle fille pour ces messieurs. Merci. Et encore, vous n'avez pas à vous plaindre, croyez-moi. 200 familles sur le tapis, c'est dur, évidemment. Mais moi, voyez-vous, en 95, à la Sonexpro, un sous-traitant de l'électroménager, c'est 4000 gus avec femmes et enfants que j'ai dû convaincre de dégager la piste. Et des syndicats très durs. Hein. Ils m'ont séquestré. Non. Ah, si, je vous le dis. J'ai gardé les coupures de journaux. Ma fille aînée a même une cassette. On était passé sur FR3 Lorraine. Ah. Oh, au fond, il n'était pas bien méchant, à part un ou deux excités, mais je suis parvenu à les calmer. Allez, santé. Santé. Oh, le salaud. Ah, c'est un torboyau, son Babel 5. Enfin, ah, ça engourdit un peu. Excusez-moi. Allô? Oui. Oui, je rentre, oui. Mais oui, ça s'est très, très bien passé. Et j'ai fait la connaissance de collègues. Enfin, d'amis, j'espère. Voilà. Eh ben, écoute, si les enfants dorment, tout va bien. Oui, on en discutera demain. Quoi? Ma mère? Mais non, je ne t'en veux pas. Mais oui, je sais qu'elle est pénible, mais... Écoute, si je lui donne pas mon portable, c'est pas pour rien. Bon, écoute, maintenant, Cécile, tu commences à me courir. Bonsoir. Il faudrait écrire un manuel de management à l'usage des couples. Non, mais je veux dire quelque chose de sérieux, basé sur des données éprouvées. Comment gérer l'épouse en ménageant la maîtresse? Ou l'inverse, enfin. Il y a un créneau. Vous ne croyez pas? Hein? Excusez-moi, je vais aux toilettes. Faites gaffe, ça glisse. Ces empaffés, ils nettoient jamais. Eh, t'as pas une petite pièce à me refiler? Non? Ça m'aurait étonné. Ça se pavane en costard, mais c'est radin comme pas un. Loulou. Loulou, ça va? Loulou. Loulou, tu veux que j'appelle un docteur? Putain, il a fait pas chier.
Excusez-moi, mademoiselle. Votre ami a l'air mal en point, si je peux aider. Qu'est-ce que t'as, toi? T'as pissé? Bon, bah, tu passes toi la tienne, alors tu gicles. Ah, mais je voulais simplement proposer. Oui, bah, j'ai compris, tu gicles. Loulou. Ah, ça t'a désespéré, faut m'aider, Lisa. Loulou, tu ouvres, ça fait un quart d'heure que t'es là-dedans. Ouais, ça va, je sors. Oh, putain, c'est bloqué cette porte de merde. Bah, calme-toi. Allez. Tu m'énerves, ça marche même. Loulou, Loulou, arrête. Tu tournes la poignée, c'est tout simple quand même. Allez. Ah putain, c'est pas trop tout ce que vous mettez. Mais regarde, t'es tout en sueur. Allez, viens, j'ai tracé. Bah, c'était comme ça, t'as l'air d'un fou. Ça, c'est normal, je transpire. Ah oui, mais regarde, comment tu t'énerves. Mais viens, tu vois, toi, deux ans en prison avec. Avec cette dent à tôle, là. La nuit, le jour, la nuit. Ça te fait du bien? Ouais, heureusement, ça me fait du bien. Putain, j'ai tout, là. Reste sous la. Sous la flotte, ça te calme, allez, reste sous la flotte. Ça va mieux? Ouais, petite femme a bien s'occupé de toi. Ouais, tu vas tout. Attends, Loulou, mais arrête! Mais Loulou, on n'a pas le temps, mais putain, mais pas ici quand même! Attends, Loulou, mais reste tranquille! Attends, allez, viens, allez, remonte, on m'a arrêté le train! Non, ils se culisent, on sait qu'il y aura du retard, le train! Mais sois sage, mais attends, quand on sera arrivé à Paris, je te jure! Je te ferai plaisir, tout ça! Allez, viens! Allez, recoiffe-toi un peu maintenant! Elle est dégueulasse, cette table! Elle n'est pas des chiens! C'est rien, Loulou, c'est rien, ça va, elle va nettoyer! C'est dingue! Mais du ketchup! Il devrait nettoyer quand même. Aux zonzon, qu'on nettoyait pas la table, qu'on nettoyait pas le réfectoire, on prenait des coups dans la tronche. Mais c'est fini la zonzon, Loulou, c'est fini. Faut bien que tu te mettes ça dans le crâne. Et pour les tourtereaux, ce sera un scotch pour moi. Et pas un fond de verre, hein. Un scotch, on a du Babel Fiv. Ah, c'est du bon, ça. Et pour la demoiselle? Une limonade. Et un sandwich. On a que club sandwich. Ah, alors c'est quoi la différence? C'est que c'est enveloppé dans du plastoc et que le pain est en plastoc aussi. Bah, c'est pas grave, du moins que c'est bon. Bah, dis donc, toi, pourquoi tu restes là à la regarder? Elle te botte? Elle t'a demandé un casse-dalle. Alors, tu vas lui chercher, vite fait. Faut prendre sur soi, sinon on s'en sort pas. Bon, j'espère qu'on sera pas trop en retard à Paris, hein, parce que sinon Pamela, elle pourra pas nous passer la clé. C'est qui, Pamela? La copine qui vient me passer la tête de son studio. On pourrait nous donner, mais après, faudra voir. Attends. Là, je pige plus que dalle. Quoi? C'est quoi, cette histoire de studio? Avant, c'était tout le temps Cindy par-ci, Cindy par-là. Oui, mais... Cette meuf, elle le partage bien avec toi, l'appartement. Non. T'arrêtais pas de m'en causer, de ta copine au parloir. Mais si, ben, enfin, non. On le partage, puis voilà. On ne parle pas comme ça, nous, on s'est disputé, c'est tout. Oh, j'aime pas beaucoup quand on me racontait ça, là, Admina. Et voilà le scotch, le club sandwich et la limonade, ce qui nous fait 10,20€. J'ai 10 que dalle à l'euro, mais ça me semble un peu cher. Bon, laisse vous, hein. Tout est devenu très très cher depuis que Pourquoi tu restes donc là à écouter ce qu'on dit, toi? Ça t'intéresse, ma vie? Non, monsieur, j'attends simplement que madame ait réglé. Voilà, tu prends ta thune. Merci. Tu dégages. Non, mais faut pas être nerveux comme ça, hein, Loulou. Hein. Si t'as pu sortir, c'est que la conditionnelle. C'est bien ce qu'il a dit, le juge. Conditionnelle, Loulou. Ah, c'est bon, ça. Ça brûle un peu, mais c'est bon. Bon, qu'est-ce qu'il fout, ce train? Vous pouvez pas aller plus vite? On vous a dit qu'on allait rater le TGV. Je suis taxi, moi pas kamikaze. LSPC, Seb, ça sert plus à rien là déjà dans l'os. Mais putain, mais si on loupe la correspondance à Paris, on sera jamais à Toulouse à l'heure. Et après, faut longtemps pour aller à la gare d'Austerlitz? C'est pas moi. Paris, j'y suis jamais allé. Mais si on n'arrive pas à temps, mais la tronche qui va tirer le fil à moi, je suis témoin, c'est pas tous les jours qu'on se marie. Bah, il attendra, qu'est-ce que tu veux? Non mais attendez, là, vous l'avez fait exprès ou quoi? De ralentir juste avant le feu, putain, on avait le temps de passer à l'orange, merde! Écoutez, les petits jeunes, vous commencez vraiment à me plaire. Si ça continue, je vous débarque là avec vos valises et je rentre me pioter.
C'est vrai, Seb. T'es con, le feu, il était bien mûr. Hein. Hé, hey, regarde. Il y a deux flics de l'autre côté du carrefour. Il ne pardonnera jamais, le fil. Mais c'est ta faute aussi. On t'a attendu trois quarts d'heure. Mais dis donc, du con. Il y avait mon costard en nettoyage à sec. Il était même pas prêt. J'allais quand même pas partir saper n'importe comment. Et voilà la gare. Vous voyez bien que c'était pas la peine de râler. Bon, alors Raoul, pendant qu'on décharge les valoches, tu vas composter. Ça fera toujours gagner du temps. Allez, ouais, je m'arrache. Bon, combien on vous doit ? 16 euros. Quoi ? Bah attendez, c'est l'arnaque. Au compteur, là, il y a marqué 13. Plus 3, 1 par valise. Ah. Allez, voilà. Bon, allez, on s'arrache ? Oh putain, mais il est dingue, Raoul. Qu'est-ce qu'il a foutu dans sa valanche ? Ça pèse une tonne, ce truc ! Oh, vache ! Ah putain! Oh d'accord, alors maintenant il y a l'autre qui se viande! Putain, déconne pas, je me suis fait mal! Mais Momo, mais relève-le, grouille-toi, merde! Et les potes, c'est Bonnard, le train il est en retard! Oh putain, génial! Non mais attends, mais qu'est-ce que t'as foutu dans ta valoche pour en part que 3 jours? Bah, le cadeau pour Philippe, la boîte à outils, t'as oublié! Allez, allez, vite! Oh putain, ça perd! J'ai mal! Allez, mange-toi, merde! Quand ils arrivent en ville, ils ont vraiment pas de style! Garçon, garçon! Ah, non, c'est pas bon. Allez, genoux, quoi! Oh. Bah, ça va, moi? Oh, putain, c'est joli. Bah, quoi? Oh, putain, je crois que je me suis cassé, là. Ah, ouais? Putain, je sais pas, j'ai dû glisser sur je sais pas quoi, là. Mais garçon, garçon! Ah, il va rapiquer celui-là, lui, ou merde? Messieurs, attends. À votre service. Ah. Ah. Allez, trois whisky? Ouais, ouais, ouais. Allez, ouais. Vous voulez dire du scotch? Babel 5? Ouais, mais on dit five, hein. Five. Maintenant, j'ai vraiment la 10 soir. Bon, 3 Babel 5, ça va. Et avec des glaçons. Ouais. J'ai chaud, moi. Ouais. Mais c'est parce qu'on a couru. Mais non, il fait lourd, il va y avoir de l'orage. C'est pour ça que ça merde. Enfin, le train. Ouais. Enfin, il est pareil. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi. Que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi, qu'elles s'arrachent ma vertu. Les trois Babel 5. Ah. Merci. Allez, allez. Ça va faire du bien. Ouais. Allez. Bon, les gars, cul sec. Allez. Ouais, je vous coupe. Les nuits essoufflées dans leur lit, elles trompent leur mari. Dans allez, leur garçon, rêve trois maudit. Autres. On va en mariage d'un copain alors. Eh ben, ils vont arriver pas après cela. Et que ce jeune est bon. Garçon, garçon. Prenons notre whisky, s'il vous plaît. Ça roule. Mais ton estomac, tu devrais pas boire. Fous-moi la paix, toi. Avec ce que je viens d'apprendre. Putain, faut bien que j'en casse, quoi. Bordel, et moi qui croyais que tu continuais à travailler à Auchan. Mais mon loulou, j'aurais bien voulu continuer, mais tu sais que ton avocat, plus je n'en donnais plus en demander. Alors, à la fin, j'avais plus rien sur mon livret à la caisse d'épargne. Alors, c'est pour ça que j'ai pas continué à habiter avec Cindy. Et en plus, elle avait peur que son proprio apprenne que t'étais en jonzon. Alors, hein, faut comprendre, non? Ouais, mais te laisser dans la débine, tu parles d'une copine. Mais j'en veux pas. C'est pas elle que j'en veux. Et puis de toute façon, au magasin, toutes les caissières, elles savaient ce qui était arrivé, parce qu'il y en avait une qui avait lu un article dans le Parisien ou je sais pas quoi. Alors tout le monde m'a regardé de travers. Total, je me suis engueulée avec la chef, et ça a fait des embrouilles. Et hop, direct à la porte. Mais quand même, t'aurais pu me le dire. Mais pour te niquer le moral, qu'est-ce que ça aurait changé? Scotch de monsieur. Merci. Putain. Bordel de merde. Et ça fait combien de temps que ça dure? 6 mois. Mais fallait bien payer l'avocat, non? Et t'envoyer des mandats. Tu me disais tout le temps que c'était dur, que sans un peu de thunes, tu pouvais pas se faire respecter ou je sais pas quoi. Hein. Franchement, ça me fait mal. Bon, Loulou, moi, je t'ai déjà dit qu'avec ton ulcère, l'alcool... Mais c'est pas ça qui me fait mal. C'est quoi, hein? C'est de savoir que je m'emmerdais comme un con dans ma cellule à rien foutre toute la journée. Pendant ce temps que ma petite meuf, putain, bien gentille comme toi, elle est en... Mais attends, la journée, tu sais, moi aussi, je dormais, hein. C'est vers 11h minuit, je m'y étais. Bordel, bordel! C'est pas juste! Écoute-moi, hein? Écoute-moi. Ce sera rien qu'un mauvais souvenir maintenant. C'est fini. C'est fini. On va repartir un jour, tous les deux. On va s'aimer, loulou, comme des fous.
Bah, regarde, tu dois payer un hôtel pour un mois ou deux, et la bouffe, et t'acheter des sables, parce que si tu te présentes pas bien, tu pourras pas trouver un boulot. Ouais, c'est hein? Ça, et tout ça avec le fric de... Ah, putain, j'arrive pas à le croire, ça, je peux pas le croire. Et il avait beaucoup. De quoi? Mais des mecs, merde. Des clients, ça s'appelle des clients, c'est ça que tu veux dire? Pas mal, ouais. Puis en plus, les flics ne lâchaient pas, fallait sans arrêt payer les amendes pour un collage, sans faisait des frais. Hein. Plus les taxis, parce que moi, j'avais pas le courage d'y aller en métro. Et pour revenir, pareil, alors j'ai arrêté à 5h du mat, sur tous les gars. Putain, mais vos gueules, vous! Arrête, j'ai pas envie d'entendre ça, je m'en fous, je m'en bats. C'est pas la voix, mais... Non mais quand même, ça vous fait pas drôle de penser que Phil va être marié? Tu te rends compte? Bobonne à la maison tous les soirs. Ah, un boulot peinard. Oh, peinard, faut voir. Chauffeur de bus, merci bah bien, ça craint. Attends, on se fait cracher dessus, insulter, c'est pas drôle tous les jours. Nique ta race 30 fois par jour, merci bien. Eh, n'empêche, chauffeur de bus, c'est mieux qu'emploi jeune. Ouais. Tu m'étonnes. Ah, c'est parce qu'il avait un bon boulot qu'il a pu se trouver une meuf, Philippe. Ouais. Attends, les meufs, elles sont pas dingues. Ce qu'elles cherchent, c'est la sécurité. Mais arrête, tu déconnes ou quoi? Ça, Sophie, tout le monde est passé dessus. Quoi? Hein? Bah attends, excuse-moi, je voudrais pas dire parce que Phil, c'est notre pote. Tu sauras pas. Mais sa grosse, qu'est-ce que de tu crois? De quoi tout le monde est passé dessus? Bah pas moi en tout cas. Hein. Bah avec la tête que t'as, y'a pas de risque, grosse truffe. Bah allez, le tout bien dit que la pièce allait passer. Tu t'es fait la grosse Sophie ou pas? Bah t'es con ou quoi? Toi, c'est pas des choses qu'on dit ça. Allez, accouche, la grosse Sophie, tu te l'es faite. Non mais attendez les mecs, vous êtes où là? Vous pensez bien que si je me l'étais faite, c'est pas la veille du mariage de Phil que je vous le dirais. Ouais, mais t'aurais pu le dire avant, hein. Donc tu te l'es pas faite, tu te prends toujours, mais c'est ton gars, t'es plus fortiche que nous, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Momo? Mais qu'est-ce que tu me cherches toi? Moi j'ai mal au genou, quoi, merde. Bah voilà, faut lui la péter, c'est pas grave. C'est ça, change de sujet, Seb. Seb, tu l'as toujours suivi comme un toutou alors. Quoi? Tu veux pas le contrarier? Mais ta gueule, qu'est-ce que tu racontes? Moi je te dis simplement, c'est par délicatesse que voilà. C'est pas nous dire s'il a niqué Sophie. Voilà, voilà. Ça, ouais. Délicatesse. Il est poli, lui. Ouais, il va que tu servir d'un dictionnaire, mais. Bon, bah, mais qu'est-ce que t'as, toi, là? Attends, arrête. Il me fait chier, il me cherche. Bon, c'est bon, allez, attends, on va pas s'engueuler la veille du mariage de notre meilleur pote, quoi. Allez, merde. Ouais. Bon, allez, on en recommande un, quoi. Ouais. Allez. Bon, bah, garçon! Plus de 10 minutes. On pourrait peut-être déjà aller sur le quai, non? Pourquoi on est bien ici? Tiens, regarde, on commence à flotter. C'est pas la peine d'aller se faire saucer. Alors, j'aime pas ça. J'espère que ça va pas encore retarder le train. Mais non, t'inquiète. On va vite se tirer de ce patelin pourri. Je vais aux toilettes. Hé, hey, garçon! Monsieur? Un autre Babel 5. Et un Babel 5, un! Et les gars, ouais. Visez un peu la fille là-bas. Non, pas de ce côté-là, l'autre là-bas, là. Là, qui arrive vers nous, là. Oh, putain, elle est plutôt pas mal, hein. Tu m'étonnes, t'as vu un peu le machin? Ouais, mais elle avait qu'un mec et puis il a pas l'air de rigoler. Attends, et tout à l'heure, je l'ai vu regarder le panneau. Putain, vous voyez pas qu'elle prenne le même train que nous? Oh putain, ce serait bon, ça! Mais avec son mec, c'est impossible. Mais pour. Ah bah attendez, bien entendu mademoiselle, attendez. Oh putain Momo, merde, y a ta valise qui gêne quoi, fais quelque chose putain. Tenez, voilà. Bah voilà, la voie est libre mademoiselle. Alors, bah venez boire un petit coup avec nous quoi. Bien sûr. Et c'est quoi votre joli prénom? Non parce que moi c'est Sébastien alors... Tu vois, elle t'a même pas répondu. Ah ouais mais attends, t'as pas vu quand elle est passée, elle m'a regardé dans les yeux avec un sourire. Je te dis que ça. Et alors, mais ouais bien sûr, un pauvre truc, tu vas voir. Moi je vous dis que si elle prend le même train que nous... Je me la fais. Arrête tes conneries. Mais quoi, arrête tes conneries? Elle est pas toute seule, je te dis. Mais qu'est-ce que t'en sais? Son mec, il est peut-être venu... moi, je sais pas, il l'a accompagné au train, peut-être. Putain, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, je vous le dis, je vais vous montrer comment on fait. T'es un fortiche, toi. Bah, bien sûr que je suis un fortiche, alors. Ah là là. Eh bien, on va peut-être pas tarder à y aller. Je suis épuisé. Je crois bien que je vais dormir dans le train. Je comptais commencer à rentrer les notes du séminaire dans mon portable, mais je crois bien que je vais remettre ça à demain. Et Seb, la meuf là, la revla. Oh, putain, elle a de ses yeux. Pardon, laissez-moi repasser. Allez, poussez-vous. Non, c'est rien. Y a un problème? Allez, viens, attends, on va à la gare. Mais y'a un problème. Mais non, mais putain, mais on fait tous bien ensemble. Oh là là, mais il est énervé, le monsieur. On boit un coup tranquille, et puis... Voilà, attends. Bien. On dirait que l'orage a un peu échauffé ces jeunes gens. Hein. Notez, je les comprends, hein, la fille est vraiment...
Vraiment? Et qu'est-ce que vous en pensez? Pas grand-chose à pas dire. Allons, à nous, il n'y a pas d'oreille indiscrète, et je ne dirai rien à votre épouse. D'ailleurs, vous n'avez rien à reprocher. Je vous demande simplement un commentaire esthétique. Alors? Elle est assez séduisante, mais je l'ai croisée tout à l'heure aux toilettes. Elle m'a donné des propos d'une vulgarité inouïe. Eh bien, mon petit vieux, vous cachez bien votre jeu, vous. Vous abordez les filles dans les toilettes, carrément. Ah, mais pas du tout. Le type qui l'accompagne avait l'air mal en point, et je lui ai proposé mon aide, c'est mais tout. Mais je vous fais marcher, voyons. Allez, le train arrive dans 4 minutes. Allons sur le quai. Nous sommes en première. Voiture 15. Et quai 6, voiture 17, les gars. Allez, brouillez-vous parce que c'est à l'autre bout, hein. Allez, il y a tout le tunnel à traverser. Mais qu'est-ce que tu traînes encore, Momo, active? Ah, c'est mon genou, là. Putain, mais allez, Raoul, aide-le, merde. Le TGV, c'est 6208 pour Paris, va rentrer en gare et maniez-vous qu'à prendre du pied. En raison de sérieux intempéries, ce train arrivera à destination. Voilà, voiture 17. Là, j'espère qu'on n'est pas loin du bar. Et hey, regarde, la fille tout à l'heure, elle est là-bas. Ah ben, je vous l'avais dit qu'elle prendrait le train. Loulou, tu viens, dépêche-toi. Mais dans quelle voiture? On a quoi comme place? On en a pas, on a que les billets. Allez, viens, j'ai pas eu le temps de prendre la résa. Attends, mais ça fait rien, on prend plus personne. Viens, on peut s'installer n'importe où. Voilà, la 56 et la 57, et nous serons seuls dans le wagon. Eh bien, vive la tranquillité. Qu'est-ce que vous préférez, couloir ou fenêtre? Oh, ça m'est complètement égal. Bah, mettez-vous dans le coin fenêtre. Vous serez mieux si vous voulez dormir. Merci. J'ai un sérieux coup de barre. L'équipage du TGV 6208 est heureux de vous accueillir à bord. Attention à la fermeture automatique des portes, le départ est imminent. Ce train est direct pour Paris. Eh bien, je vois que vous m'abandonnez à ma triste solitude. Oh, c'est que j'ai tellement... Allons, je comprends parfaitement. Vous m'avez expliqué que vous menez une vie très régulière... Et je vous en félicite. Moi, voyez-vous, l'âge venant, je souffre d'insomnie. Inutile d'essayer de dormir, je n'y parviendrai pas. Tenez, passez-moi votre billet, je le présenterai au contrôleur pour qu'il ne vous réveille pas. Ah, c'est gentil. Tenez. Pas trop tôt. Avec cette chaleur, je ne supporte absolument pas le temps orageux. La clim va vous rafraîchir. Il n'y a personne dans ce wagon, à part trois clampins. Oh, comme ça, on sera plus peinard. Ouais, bah, faudrait mieux caler ta valise, Momo, parce que là, elle risque de se casser la gueule et nous foncer droit sur la tronche. Ben, fais-le, moi je peux pas, tu sais, avec mon genou. Non mais attendez, mais c'est complètement con de la mettre là-haut. Au bout du wagon, il y a un endroit exprès. Hein? Bah attends, pousse-toi, Momo, hein, parce que... Allez, vire tes cannes de là, putain. Aïe, putain. Je te marche dessus. Eh merde, j'ai failli la recevoir sur la tête. Mais qu'est-ce que j'avais dit? Mais c'est rien. Je vais la mettre au bout du wagon, je te dis. T'es sûr qu'il n'y a pas de risque pour qu'on me la chauffe? Bon, mais lui, n'importe quoi. Mais attends, mais on n'est pas dans ta cité, mon pote. Mais t'as vu, à part trois clampins, il n'y a personne. Puis de toute façon, c'est direct pour Paris. Alors le connard qui fait le mariole, on le pécho à la sortie. Ouais. Bon, bah, si tu le dis. Eh, moi, si j'insistais, c'est parce qu'il y a le cadeau pour Philippe. Hein. Mais t'inquiète, je te dis. Allez, hop. Oh putain, il n'y a même pas de place pour circuler dans leur merde de wagon, là. Bonsoir. Hein? Je vous dérange pas? Non, non. Non, c'est juste que... Je voulais mettre la valise dans le casier parce que... Bah, après tout, ils sont faits pour ça, hein. Bah, allez-y. Merci. Oh, attention. Ah, pardon. Voilà. Bon, ben, comme ça, elle risque pas de bouger, hein. Putain, je vais même la caler encore un petit peu. Voilà, comme ça, c'est fait. Ah ouais, non, là, elle risque vraiment plus de bouger, là. Bon, ben, bonsoir, hein. Salut. Fait chaud, hein. Mais je comprends pas, ils mettent pas la clim. Putain, surtout dans ces putains de wagons, et on peut même pas ouvrir une fenêtre. Non. Vous avez pas chaud, vous? Ça va. Ouais, on a chaud. T'as chaud, toi? Ouais, je crois que la clim est en panne. C'est pas de chance, hein? T'as pu alors déjà qu'il y a du retard.
Puis alors, il paraît que c'est pas fini, parce que alors, l'orage en région parisienne, ça bloque toutes les voies, hein, total. Et ben, on a du retard, hein, forcément. Je vais retourner à ma place. Voilà, c'est ça. Allez. La société Bel Air a le plaisir de vous informer qu'une voiture bar est à votre disposition en voiture 14, au milieu du train. Nous vous y proposons tout un assortiment de boissons fraîches ou chaudes, ainsi que des confiseries. Oh, c'est des confiseries de merde, même pas fraîches, oui. Qu'est-ce que j'en ai ma claque de ce boulot. Allez, allez, c'est pas le mauvais job. Je vois pas pourquoi vous vous plaignez, Irène. C'est bien Irène, votre prénom. Je vous confonds toujours avec celle qui fait le 6816, jeudi et vendredi soir. Ah, mais elle, c'est Béatrice. On a commencé en même temps dans la boîte. Et vous êtes brunes toutes les deux. C'est pour ça que je vous confonds. Ah, vous voulez boire quelque chose? Oui, une petite eau minérale, avec plaisir. Avec la chaleur qu'il fait. Pourquoi elle marche pas, la clim? Aucune idée. Elle marche que dans les voitures de première, là où il n'y a personne. Oh, j'en ai ma claque. Je vais encore avoir personne, ils roupillent tous à cause du retard. Non, je vais lâcher ce boulot, j'en peux plus. Même si je me retrouve à la NPE, tant pis. Faut pas dire ça, vous êtes jeune. La patience, ça s'apprend. Bien sûr, passer toutes ces journées dans le train, c'est pas drôle. Mais on s'y fait. Tenez, moi, ça fait un bail que je fais le trajet. Plus que quelques années à tirer avant la retraite. Oh là, ça me console pas trop ce que vous me dites. Je sais, c'est ce que me raconte ma fille. Enfin, quand je la croise. Bon, ben j'y vais. Billet, s'il vous plaît. Bonjour. Merci. Merci. Billet, s'il vous plaît. Pour ça. Vous avez la carte pour la réduction? Oui, je suis platane. Merci. Billet, s'il vous plaît. Voilà, merci. C'est vraiment mort ce soir. À ce train-là, elle va faire faillite, la CNCF. Bonsoir. Tenez, j'ai le mien et celui de mon ami, là, en voiture 15, les premières. Il dort. Essayez de ne pas le réveiller. Ben, les mecs, on va pas rester plantés là toute la nuit. Putain, mais quand je pense, la meuf de la gare, là, elle est avec son lascar à l'autre bout du wagon. Non, mais quand j'ai rangé la valoche à Momo, mais putain, ah, mais je te jure... La valoche... Mais non, c'est bon. Mais je te jure, elle m'a lancé un sourire, valise, mais putain, oh. Mais elle doit s'emmerder avec son mec, là. Attends, t'as vu l'air zone qu'il a, vous trouvez pas? Partout dans les... Non mais, oh, les mecs, là, je cause dans le vide ou quoi? Partout dans les rues, je veux qu'on parle de moi. Que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi. Oh, bah putain, Momo, ça y est, quoi. Tu as pas pioncé, quand même. Allez, bah raconte la meuf. Putain, mais elle m'a souri, je te jure. Mais même qu'elle m'a fait un signe pour me montrer sa robe. Putain, je vais te dire, elle avait les boutons dégrafés jusqu'à la cuisse. Attends, elle veut qu'il rêve. Elle t'a montré son cul pour dire. Ben quoi, elle veut qu'il rêve? Je rêve pas, Momo. Pauvre truffe. Attends, cette fille bien roulée comme elle est, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle fout avec un as pareil? Mais ça se voit, elle est malheureuse, c'est sûr, quoi. T'avais dit que tu te la ferais dans le train. Ah. Hein? Exact. Excusez-moi, c'est encore moi. Ouais, on a vu. Non, je voulais vous dire... c'est vraiment bête que vous restiez comme ça, à moitié assis, à moitié debout, quoi. Alors que le wagon, il est vide. Là, on est juste mes deux copains et moi, il y a toute la place. Non, merci. Ouais, très bien comme ça. Ah, bah c'est bête, vraiment. Et surtout pour la demoiselle, quoi. Bah, elle serait quand même mieux installée sur un petit siège. Comment tu le sais, ça? Ouais, on remarque un peu tout, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Mina? Non, on reste là. Bon, bah moi, ce que je vous en dis, hein. Alors, si vous changiez d'avis, y a pas de problème, hein. Changera pas l'avis. Oh bah, bonsoir. Salut. Allez, Mina, viens. Quoi? On va pas se pourrir la vie, quand même. Tu sais, si t'es bien assise, tu pourras dormir un peu, t'as l'air épuisée, là. Je te dis qu'on reste là. Mais toi, comme t'étais, là. Ouais.
pépé. Ça démarre mal ton plan, Seb, hein? Elle a pas voulu venir. Monsieur Seb se fait toutes les gonzesses. Monsieur Seb sait comment les emballer. Monsieur Seb s'est tapé Sophie qui tout le monde y est passé dessus, soi-disant. C'est pas un scoop. Oh, mais là, Monsieur Seb, il sait plus comment faire. C'est ça, marre-toi, ouais. Moi, je te jure qu'on va pas en rester là. Ah bah, j'ai soif, tiens. Ouais, bah, t'as raison, c'est ça, tiens. Bah, justement, y a la voiture bar qui est juste après, alors on y va. Allez, putain, mais Momo, mais qu'est-ce que tu fous? Fais pas semblant de goupiller, merde. Bah, y'a sa religion qui lui interdit de boire. Eh, fais pas chier, Raoul, hein. Putain, et tu remets pas le couvert avec tes conneries, hein. Sinon, je t'éclate, t'as compris? Non, mais attends, mais Momo, mais arrête, quoi, calme-toi, quoi, c'est bon. Ça va aller, putain, mais tu connais Raoul, il dit n'importe quoi, 100 kilos de viande, 15 grammes de cervelle, alors ça y est, quoi, on y va. Bon, je viens, mais qu'il arrête ses conneries. Eh ouais, allez. N'empêche, mes 100 kilos, ça en a calmé plus d'un. Oh. Excusez, on fait que passer. On vous dérange pas? Non, non, pas du tout. On dérange vraiment pas, hein. Même si on reste un peu. Ça veut dire quoi, ça? Non, ça veut rien dire. Allez, allez, venez, les gars. Allez, Momo, tu viens? Ouais. Aïe! Excusez-moi, mademoiselle. C'est parce que j'ai mal au genou, là. Non, mais c'est bon, là, maintenant, ouais. c'est bon. Allez, tu peux suivre tes potes, hey, c'est bon. Excuse-moi, hein. Ouais. Il a fait exprès de tomber dessus, je suis sûr qu'il a fait exprès. Mais non, mais tu vas imaginer, il a glissé, c'est tout, tu vois bien qu'il boite. Hein. Mais t'es carrément barge, toi, Raoul. Bah quoi? Alors on dérange pas, même si on restait un peu. Putain, mais tu crois que c'est comme ça qu'on va avancer? Mais tu vas les faroucher, la fille. Bah, je voulais juste t'aider. Bah écoute, laisse-moi faire. Regarde et surtout t'occupe. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut boire? Bah, tout ce qui est affiché. Mais dépêchez-vous, je ferme dans une minute, y a pas un chat. Ah, pas un chat? Ça, c'est pas gentil pour le monsieur, là. Bah, le monsieur, il a commandé, je l'ai servi. Je vais faire la même chose avec vous, mais après, je ferme. Alors, trois scotch. C'est les clambelles. Ah oui, oui, ça c'est du bon, ça. Non, non, attendez, pas trois, cinq. Pourquoi cinq? Chut, t'occupe. Ah, merci, mademoiselle. Bon, ben... Eh, les mecs, ouais. À la vôtre, hein? À la vôtre, hein, monsieur? À votre santé, jeunes gens. Voyage d'affaires. Non, 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 on va au mariage d'un copain à Toulouse. Faut qu'on change à Paris. C'est la merde, hein, ce retard. Alors, à la santé du marié. Oh bon. Je vais aller piquer un roupillon dans les premières, si j'arrive. Bon, vous y arriverez. C'est quasi désert. Et la clim fonctionne. Oh putain. C'est trop chaud, là. Moi, je tiens plus, là. Essaye de dormir. Ouais, sur un strapontin. Bah dans le wagon, toutes les places sont libres. Bah attends, tu disais pas ça il y a un quart d'heure. Oh, tu vois. Je suis juste avec toi, là. Hein? Voilà, mais t'es comme moi, toi, là. Tu transpires, là. T'es trempé, hein? Oh, mais Loulou. Mais Loulou, arrête. Arrête, mais attends, mais t'es pas sérieux. Mais non, mais il y a les trois types là-bas, je suis sûr qu'ils vont repasser. Mais non, ils sont partis picoler. T'as pas envie, là? Mais si, mais non, enfin, bien sûr que si, Loulou, mais là, on est dans le train. On est dans le train, mais on est plus tous les deux. Oh. Je te suis. Juste avec la main, d'accord? Ouais. Oh là là, Loulou, mais dans quel état tu es? Ah, tu vas bien. Faut pas attendre. Bon, d'accord, mais tu te retiens pas, hein. Faut faire vite. Vas-y. Oh putain. Amina. Est-ce que j'ai pu penser à toi? Dans la cellule. Putain, si tu savais ce que je me faisais. Attends, chut, Loulou, allez, je te retiens pas. Tu retiens pas. Et les mecs, vous voyez ce que je vois? Bah non, il fait tout noir. Mais si. Attends, le prochain éclair. Tiens, alors. Oh bah mon vieux. Oh, elle y va. Oh, elle y va. Bougez pas les mecs, bougez pas.
Oh la vache, oh la salope. Oh, elle s'est fait un putain. Mais t'as vu toi aussi, Momo? Ouais. Ouais. Putain, les mecs, on progresse. On progresse. Ouais. Ouais, ouais, mais c'est bon, là, passez, là, il y a la place, là. Mais on a pensé que ça vous ferait plaisir de boire un coup, parce que comme on revenait du bar... Tenez, ça rafraîchit, il y a des glaçons. Ah, ouais, c'est sympa. Bah, vous allez pas rester ici, quoi. Bah, venez vous asseoir avec nous. Ouais, ouais, pourquoi pas. Ouais. Moi, je reste ici. Non. Mina, allez, viens. Non, je reste là. Bah, vous voulez pas boire un coup, mademoiselle? Non, merci. Bon, bah... Bah alors, il y en aura deux pour vous, hein, monsieur. Merci. Ah, il est fort. Ah, j'ai soif. Merci. Bon, bah, allez, venez avec nous, on va s'asseoir. Anou, vous dormez? Hein? Mais secouez-vous, mon vieux, regardez. Hein? Hein, quoi? Deux fauteuils devant nous. Elle s'est endormie. Elle s'appelle Irène. Elle est très belle dans son sommeil, non? Regardez la douceur de son visage. Et puis sa cuisse. Attendez, attendez. Ah non, elle bouge. Elle tente de se retourner. Elle se heurte à l'accoudoir entre les deux sièges. Mon petit Ranou, ne me dites pas que vous n'appréciez pas le spectacle. Si. Curieux moment de poésie. Ranou, deux hommes perclus de fatigue dans la nuit et cette fille qui se trémousse dans l'agitation du sommeil. Ranou, regardez, nom de Dieu, sa jupe remonte doucement. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais en ce qui nous concerne... J'aperçois sa culotte. Oh, délicieuse Irène. Vous me désespérez. Ranou. Je vais faire un tour. C'est crevant, hein, de voyager. Ouais. Il y a pire, hein. Et puis on n'a plus rien à boire. Et puis, il y a la pétasse du bar qui a fermé boutique, hein? Bah ouais, bon, mais c'est sympa, mais maintenant, je vais aller retrouver ma... Ah bah, attendez, non, quoi? Raoul, dans ta valoche, il n'y a pas un petit coup à siffler? Non, mais je voudrais pas m'incruster. Ah, mais on a que le temps à tuer, restez donc avec nous, quoi. Vous allez pas partir comme ça. Ouais. Putain, mais Raoul, faut te faire un dessin. Hein? Quoi? Mais... Il y a ça qui brûle. Ah ouais, mais ça, c'est rien, ça. Moi aussi, ça m'arrive, hein. Mais j'ai toujours mes petits cachets. Vous en voulez un? Ah ben... Ouais, c'est pas de refus. Bon, attendez, bougez pas, hein. Je cherche dans mon sac. Putain, mais Raoul, mais t'es lourd, mais... Mais ouvre ta valoche, putain. Ouais, c'est une bouteille de cognac. Mais c'était un cadeau pour Philippe. Mais on en achètera une autre, on rouille, allez, merde. Ah! Ça va vous faire du bien, là. J'ai trouvé les cachets. Alors attention, hein, il faut bien mâcher le comprimé. Ouais, vas-y, donc. Tenez, ça vous allez voir, ça va vous calmer. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, ça calme. Bon alors, ça vient ce cognac? Et voilà, attends, que j'enlève ce putain de truc. C'est quand même con de le boire dans des gobelets en plastoc, hein, mais bon. Vas-y. Ouais. Hop là, tenez. Allez, à la vôtre, hein. Allez, bon, églou. Allez, encore. Cul sec, là. Oh, bah dites donc, vous l'avez bu cul sec comme ça, mais faut le savourer. Oh bah non, alors un autre, hein. Allez. Non, allez. Ah si, allez.
Allez, encore un autre. Allez, allez. Voilà. Oh. Et c'est le dernier. C'est le dernier. Bon, maintenant, il est fait. Momo. Momo. Ouais. Elle est où, sa grosse? Qu'est-ce qu'elle fait? T'as été voir? Ouais. Elle est en roupine. Bon, alors, qui c'est qui va en premier? Bon, allez, Momo, tu viens avec moi, puis toi, Raoul, tu fais le paix, hein? Bah, hé, des fois qu'il se réveille, celui-là. Ouais. Allez, on y va. Bordel, mais Momo, mais tu la tiens ou quoi? Lolo! Putain, mais... Ah. Mais arrête tes conneries, merde! Mais on t'a vu tout à l'heure! Tu vas pas nous chier le pendule, putain! Mais... Tu nous suces tous les trois et on n'en parle plus, mais... Lolo! Putain, mais Momo, mais qu'est-ce que tu fous, merde? Ah, vache! Oh, putain, il m'a mordu! Mais ouais, c'est ça, putain, bah... Mais ah. Seul... Allez, fou, putain, là! Non, mais... Non, mais... T'as Raoul, merde! On n'y arrive pas! Monsieur, monsieur, vous vous réveillez? Et je crois que votre ami a quelques ennuis. Je tenais à vous prévenir. Monsieur! Putain, les fils de pute! Putain! Aïe! Oh putain! Ah, Lolo. Ah, le salaud, putain, il m'a niqué le genou. Ah, j'ai mal, il me faut un médecin, les gars. Ta gueule. Mais c'est vrai, sa mère, ta gueule. Bon, et maintenant, monsieur Sébastien, qu'est-ce qu'on fait? On se tire? Non. Ah ben, c'est raté. Tu pars, si c'est raté, tu vas voir. Dis donc, tu m'entends? Parce que, à part t'enfermer dans les chiottes, qu'est-ce que tu proposes maintenant? T'es coincé, pauvre con! Et on n'est pas encore arrivé à Paris! Mais il n'y a personne dans ce train de merde! Alors ta grosse, je te garantis qu'elle va y passer parce qu'on a tout le temps! Putain, fais quelque chose! T'inquiète, ils te vont pas! Mais c'est pas possible! Faut qu'elle! C'est ça, c'est un peu de con! On a chopé ta valoche avec tes papiers! Oh non! Hein? Alors? Oh mais Lou, mais qu'est-ce que alors tu sors de temps, le connard? Toi, tu sais que t'as intérêt à l'écraser, hein? Parce que sinon nous, on va dire que c'est toi qui nous a agressé! Attends, mais t'avais laissé tes papiers dans ta valise! Mais putain! Pardon, mais putain! Tu crois qu'on l'a pas vu te branler tout à l'heure dans le couloir, hein? Salaud, mais les salauds! Mais qu'est-ce que tu veux? Salaud! C'est ça que tu veux, tiens, regarde! C'est ça? C'est ça que tu veux? Je veux pas de votre fric! On te cause à toi! On l'appelle, puis là, c'est quand même plutôt pas mal, hein? Tu les as comptés, les billets, Poufias? Abruti, il va, connard! Ta gueule! Mais regarde, des fois que, par hasard, il y en a un qui se passe coincé sous la porte. Là, on peut pas dire, hein? Parce que, avec ce qu'on file, elle peut quand même pas se plaindre, ta bouche! Tu les dégages! Tu les... Loulou, passe la tête sous le lavabo, t'es tout en sueur. Putain. Viens. Dégueule un bon coup, connard. Ta gueule. J'étouffe. Du calme. Je peux pas rester enfermé. Attends. Je peux pas rester enfermé. Ils peuvent rien contre nous, tu sais. Je peux pas rester enfermé. Le train arrivera bien à un moment ou à un autre, hein. Attends. Mais tu comprends pas, putain. Attends, je peux pas rester enfermé. Loulou, ici on est en sécurité, on risque rien, d'accord? Je peux pas rester. Loulou, tu te calmes. Je sorte. Si tu te calmes. Faut que je sorte. Oui, oui. Vas-y, Nico. Patient, t'inquiète pas. Tu calmes. Bien même. Ben ouais, c'est la bleue avec les sandaux rouges et c'est peu qu'il a rangé tout à l'heure. Allez, ouvre la merde. Mais pourquoi? Oh ouais, génial. La boîte à outils à Philippe, c'est géant comme plan. On va la niquer vite fait, la porte des chiottes. Ouvre, maman. Ouvre la baloche. Ranou, poussons, réveillez-vous. Ranou, venez vite, c'est passionnant, absolument passionnant. Allez, levez-vous, poussons. Allez, suivez-moi. Poussons, mais suivez-moi. Mais
t'es du genre têtu, toi, hein? Alors, tu t'appelles Louis Grandier. Et t'es en liberté conditionnelle. Mais on ne veut pas de mal. Écoute simplement, tu vois, simplement que tu nous prêtes ta meuf un petit moment. Rien, quoi. Elle nous suce un petit peu tous les trois, mais pas témoin, puis on n'en parle plus. Putain, en plus, t'es pas perdant, parce que, hé, on a sacrément allongé la thune, là, hein. Enculé, fils de putain. Il veut pas. Ta foi. Bah putain, au moment où t'arrives à l'ouvrir, ta boîte à outils ou quoi? Il te faut de mode d'emploi, là. Ah, hein, bah attends. Ah, voilà. Bon, alors, il y a deux cruciformes, un marteau et un gros tournevis. Bah, donne. Hé, hey, du con, tu m'entends? Non. Tu sais qu'elle va pas tenir longtemps, ta porte, hein. Ah putain, j'ai pas assez de force. Putain, Raoul, vas-y toi, vas-y. Bah oui, mais ça va faire du bruit. Allez, quoi, merde. Oh putain, mais Raoul, me dis pas que... Pourquoi t'as pas envie qu'elle te suce ou quoi? Putain, mais on cogne la gueule à ce mec pour qu'il nous fasse plus chier. Elle te suce et puis en même temps, elle nous branle, Momo et moi. Ouais, ah, ouais. Allez, putain, vas-y Raoul, vas-y là. Allez, vas-y, nique là la porte. Allez, vas-y, puis après on change, hein. Après, c'est Momo qu'elle va sucer. Oh ouais. Je sais pas si... Bah quoi, t'as pas envie, toi? Si, mais... Bah alors, mais putain, mais allez, Raoul, défonce la porte! Un pas de plus. On me dira, nous, d'ici, on peut tout voir. Oh, silence. C'est inespéré. Deux camps en présence. J'ai tout entendu. Ces trois minables veulent s'offrir un moment de plaisir au détriment de cette fille dont vous me disiez vous-même que vous la trouviez attirante. J'ai pas dit ça. Ah, si. Vous l'avez dit, bon, peu importe. D'un côté, la force, le nombre, 3-1. Un pauvre type qui sort de prison. J'ai tout entendu. Sur qui pariez-vous, Rano? Vite, dites-le, qui va gagner? Où est le contrôleur? Sur le temps qu'il arrive, bon, foutez-moi la paix. Tout va se jouer maintenant. Sur qui pariez-vous? Qui va gagner? Secouez-vous, Rano, nom de Dieu! Considérez que ça fait partie de votre formation. C'est eux qui vont gagner, évidemment. Allez, 800 euros, c'est l'autre. Vous tenez le pari. Où est le contrôleur? Vous le tenez, ce pari? Merde! Oui! Bon, topez-la. Mon vieux, les dés sont jetés. Louis, vous est arrivé! Oh, on peut toujours s'accrocher. Je vais vous faire la peau, bon enculé! Mais c'est ça, ouais! Du coup, je vais te défoncer la gueule à coups de marteau! Tu sors de ton lit, je vais péter la tombe, mais ouvre-le, je te dis. Mais tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais je vais faire ce qu'ils veulent. Il y en a pour 10 minutes, tu sais, après on aura la paix. Non, jamais tu peux faire ça. Mais jamais tu feras la paix. Plus jamais. Tu regarderas pas. Jamais tu feras la paix. Mina, excuse-moi. Pardon. Viens. Nous arrivons au dénouement. La porte va céder. C'est insensé, voyons. Poussez-vous dans le coin, vous pourrez nous voir. Fermez votre gueule, mon Dieu. Vous avez parlé. Votre train, arrête. Allez, Raoul, quoi, c'est presque réglé maintenant. Tu vas voir. Mais tu sais, là, la Sophie, je me la suis pas faite, mais elle, la poufiasse. Putain, je peux te jurer qu'elle va y passer. Allez, appuie, quoi, merde, nom de Dieu, putain. Elle va plus tirer longtemps, cette putain de serrure, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, quoi, le temps de la vie, ça pétait. Je me suis planté dans la main, merde. Ah, il saigne. Oh, putain. Les mecs, calme-toi. On va s'arranger, d'accord? Calme-toi. C'est comment, vous avez raison? Calme-toi, Raoul. Vous entendez? Mais oui, mais putain, mais bien sûr qu'on t'entend. Mina, tu bouges pas, d'accord? Tu ne bouges pas. Et quand je t'appelle, tu viens, d'accord? Non, pas mon genou, non. Arrête, j'ai du fric. Arrête. C'est qui a ma valise? Donne-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a mes papiers? C'est lui. Donne-moi ça. Arrête, on voulait rigoler, quoi. Salope. Culé. Viens. Oh, réveille-toi. Oh, connard, réveille-toi. Debout, allez, lève-toi. Qu'est-ce qui se passe? Lève-toi. Vas-y, passe devant, vas-y. Mais ça va pas. Ferme ta gueule, avance. Ouais. Vas-y, ouvre la porte. T'as la clé, vas-y, ouvre la porte. Je peux pas. Pas entre deux gares, c'est le règlement. Ouvre cette putain de porte, là, qu'on t'arrasse ou je t'éclate. Vas-y, ouvre-moi la porte. Doucement, Lolo, doucement. Vas-y, Mina, cours.
Regarde, il y a un village là-bas. Aïe, je me suis tordu la cheville. Cours, bordel. Aïe. On est en rase campagne. J'ai ouvert la porte. Il va falloir que je fasse un rapport. Merde. Fabuleux. Absolument fabuleux. Vous avez perdu votre pari, mon cher Anou. Vous me devez une jolie somme, Anou. Oui. Bon, mais ça aurait pu mal tourner. Qu'est-ce que vous me chantez là? Vous avez perdu, soyez beau joueur. Voyez-vous, Ranou, ce petit intermède n'était pas prévu au programme du séminaire, mais il était hautement instructif. Et j'espère qu'à l'avenir, vous en tirerez toutes les leçons, en bon directeur des ressources humaines que vous aspirez à devenir. Vous avez péché par excès de logique. Toutes les apparences jouaient contre ce pauvre type, mais il a su trouver en lui la force d'affronter l'adversité. Il faut toujours parier sur les plus désespérés, mon petit. Acculés au plus profond du désespoir, ils sont capables de bien des sursauts. Et le voilà reparti à dormir.